le projet d'appui au développement des filières manioc et maraîchers en Côte d'Ivoire, Pro2M, mis en œuvre par le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA, avec un financement de l'Union européenne, a encore fait des heureux. Il s'agit cette fois d'élèves et de responsables scolaires des départements de Boaké, Boaflé, Toumaudi, Agbouville, Alépé et Odiéné. En effet, au titre du volet nutrition du projet, le FIRCA a officiellement remis des kits de cantine scolaire afin d'améliorer les conditions de prise de repas des élèves de 16 écoles les 17 et 19 mai 2023, respectivement à Boaké et à Krigambo, dans le département de Boaflé. Était présent à ces deux cérémonies de remise officielle de kits, le ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, Méminader, le FIRCA, les directions régionales de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, DRENA, ainsi que les écoles bénéficiaires et les parents d'élèves. L'action du Pro2M en faveur de ces cantines s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du volet nutrition qui a permis de réaliser de nombreuses actions. Au nombre de celles-ci figure la formation de 1500 femmes à l'éducation nutritionnelle et l'amélioration de la diète de 3000 élèves rationnaires de 15 cantines scolaires avec l'appui d'experts en nutrition. Aussi, les cantines de 16 écoles primaires identifiées avec le concours des acteurs de l'éducation nationale ont été équipées en foyers massifs à double feu ou en foyers améliorés métalliques. Par ailleurs, 3100 kg de semences de haricots et soja ont également été remis au groupement de femmes appuyant ces cantines afin de produire des légumineuses et les mettre partiellement à la disposition des cantinières. Monsieur Kofi Jules, président du COGEST de Bozi, s'en rappelle. Vous êtes passé dans nos écoles, vous avez équipé notre école de foyer amélioré et des semences que vous avez données aux parents afin de pouvoir subvenir aux besoins de la cantine. Les parents, en tout cas, ont essayé de leur mieux et cultiver quelque chose pour apporter un appui à la cantine. Aussi, je vous ai dit que les foyers que vous avez déposés, en tout cas, nous ont vraiment beaucoup aidés, puisque aujourd'hui, on observe un taux de croissance au niveau des enfants. Docteur Taclé Mamadou, directeur de département, représentant le directeur exécutif du FIRCA, a indiqué que l'action du Pro2M vise l'amélioration de l'environnement de prise de repas des élèves rationnaires. L'État de Côte d'Ivoire a défini une politique nationale en matière de nutrition et s'est fixé comme objectif d'améliorer l'état nutritionnel de la population, en particulier des groupes les plus vulnérables, notamment les enfants, les femmes en âge de reproduction et les personnes issues des situations de crise, d'urgence et des catastrophes naturelles. Vu l'ampleur et la persistance des problèmes de nutrition dans le pays, les origines multiples et les impacts sur les différents secteurs de développement, la complexité de leur résolution, il est essentiel de conjuguer les efforts des uns et autres pour une meilleure efficacité et durabilité des interventions en matière de nutrition. Le Pro2M a pour objectif de contribuer à la sécurité alimentaire et à la création d'emplois par la promotion d'une production vivrière autre que le riz, de qualité moderne, durable, résiliente au changement climatique et par la commercialisation fiable et équitable, permettant un approvisionnement régulier des marchés. Bien que l'État de Côte d'Ivoire accorde une place prépondérante à la santé nutritionnelle de ses populations, plusieurs cibles, dont les enfants, se nourrissent encore dans des conditions difficiles. Alors que le Programme alimentaire mondial qui accompagne l'État depuis 1989 annonce son retrait de l'approvisionnement des cantines scolaires ivoiriennes, la majorité de ces cantines ne sont presque pas équipées de couverts. Le représentant de la DRENA de Boaké 2 a décrit la situation des écoles sous leur coupole sur le sujet. Sur un total de 208 cantines, seulement 35 ont le couvert à 100%, c'est-à-dire disposant d'assiettes, de gobelets, de cuillères, de carafes correspondant au nombre de rationnaires, soit un taux de couverture de 16,82%, moins de 20%.
Cela démontre l'ampleur du défi auquel nous faisons face. Le FIERCA n'est pas resté indifférent à cet état de fait. L'ensemble des actions posées dans le cadre du Pro2M en faveur des cantines scolaires constitue une contribution cruciale à l'amélioration de la sécurité alimentaire au sein des cantines scolaires pour les 16 cantines scolaires bénéficiaires. Pour leurs responsables, c'est un véritable soulagement. Il faut dire qu'en 2013-2014, nous étions au niveau de la draine de Boaké 2, anciennement on disait draine, à 378 cantines. Par manque d'infrastructures, beaucoup d'entre elles ont été suspendues et nous sommes aujourd'hui à 208 cantines. Ces 208 cantines fonctionnent avec certaines difficultés, des couverts qui sont toujours en nombre insuffisant, notamment les cuillères qui disparaissent au jour le jour. À chaque inventaire, on voit qu'il y a diminution du nombre de couverts. Brandé à l'effigie du Pro2M et des parties prenantes du projet, à savoir l'Union européenne, le Méminader et le FIERCA, des kits sont composés de 150 assiettes, 150 cuillères, 150 gobelets, ainsi que 10 carafes offerts à chaque école. Des parents heureux ont dit au revoir à leurs inquiétudes quant aux conditions d'alimentation de leurs enfants à la cantine scolaire. Mes enfants mangent à la cantine. Par moments, les assiettes sont assez vieillissantes. Donc les cuillères et les gobelets ne sont pas suffisants. Il y en a qui mangent à la main. Et c'est donc ce que le FIERCA vient de faire. Ça va permettre aux enfants de manger élégamment. Ils vont manger avec les cuillères et les gobelets. Ils vont boire de l'eau. Ils vont pouvoir bien manger. Nous disons merci à l'Union européenne pour avoir fait ces dons de kit. Les femmes de Kringambo, elles sont très joyeuses, heureuses pour la cantine. Parce que nous avions des problèmes de manger pour les enfants. Mais grâce à la cantine et à l'Union européenne et FIERCA qui nous donne cette occasion, en tout cas, nous avons la joie même dans les cœurs. Boaké, Molonoublé, Abbé Kwadiokro, Bangaoukli, Ndjessampokoukro, Afouvassou et Yobouekro sont les 6 écoles à avoir reçu le précieux don du FIERCA à travers le Pro2M. À Boaflé, ce sont 7 cantines scolaires qui ont eu ce privilège. Il s'agit de Abli 2, Bindressou, Krigambo, Bozi, Akangessankro, Degbézéré et Tinkodogo. 3 autres cantines scolaires, Thiémé, Odiéné, Brofodoumé, Alépé et Guessiguié à Beauville, recevront elles aussi leur kit à la faveur d'une mission conjointe. Dans certains pays développés, comme aux États-Unis et dans d'autres pays développés, les gens luttent contre la surnutrition qui engendre quoi ? L'obésité et les maladies, comme on appelle, cardiovasculaires, la tension, tout ça. Vous voyez ? Et donc, eux, ils ont leurs problèmes. Le gouvernement ivoirien a décidé de commencer par la base, lutter contre la malnutrition des enfants. C'est la raison pour laquelle ce projet-là vient en appoint. Pour les élèves, heureux bénéficiaires du jour, c'est d'une fête qu'il s'agit. Séance tenante, ils ont eu droit à un repas collectif, occasion d'inaugurer les nouveaux kits. Dans leur tenue kaki et mille carreaux, ces élèves n'ont pas manqué d'exprimer leur joie quant aux dons qui leur ont été faits. Pas de danse, larges sourires et chants de joie n'ont pas manqué à cet effet. Je prends la parole pour remercier l'Union européenne de nous avoir donné des kits scolaires pour le développement des cantines des 16 écoles. Merci à l'Union européenne et au FIERCA. Merci au FIERCA et à l'Union européenne. Il faut rappeler que l'Union européenne a apporté un appui financier à l'État de Côte d'Ivoire pour la mise en œuvre du Pro2M qui comporte 3 volets, manioc, maraîcher et nutrition.
Investir pour le futur, anticiper, innover. Voici les trois actions qui matérialisent notre vision. Nous sommes le FIRCA.